The President, please be seated. Veuillez vous asseoir. The court is now in session. La cour est en session. According to our schedule, d'après notre this morning, the chamber is going calendrier to ce matin, la chambre hear testimonies of the accused person Nunchia concerning the facts de l'accusé Nunchia that have already been identified to be the subject for the comme constituant hearing for this la matière de segment of the trial des audiences pour cette partie du procès dans le dossier 002. The second segment of this trial, deuxième segment the facts de ce procès porte sur administrative les faits relatifs à la structure administrative du Kampuchea démocratique and et the communication structure la structure of the regime des structures of de communication du and régime third, du Kampuchea démocratique et troisièmement the relevant paragraphs les concerning the roles paragraphes of the pertinents accused person. Concernant le rôle de l'accusé. The roles are closely related dans ces to these activités, rôles étroitement liés context, the administrative structures au contexte and the communication de la structure administrative ones. Et des communications. Since these issues are interrelated, puisque ces questions and parties sont have already been informed of et the orders for déjà été informés, questioning the accused or the order of the hearings and that portant sur parties have been informed that the questionings will proceed in accordance with the orders of the facts listed in the closing order des faits qui se trouvent or indictment. Dans l'ordonnance de clôture ou and this is the common et, ceci scheme. However, due to the fact that sera donc la méthode que nous the situation suivrons, mais the relevance étant donné la of these facts situation, need the chamber to, or the chamber is needed to la chambre advise parties that there would be some doit, se amendments doit informer les parties or adjustments, rather, certains to accommodements orders, devront intervenir main contexts par rapport à l'ordonnance car issues, nous avons trois questions that the proceedings à régler are smooth, et pour and that, we faire can en sorte avoid que la procédure unnecessary se repetitions déroule or, normalement, il faut éviter and the chamber les répétitions is, inutiles. Well aware of, considering the roles et of the accused, which is part of the context nous allons donc of examiner the le rôle de l'accusé dans le cadre de ses activités au sein de la structure administrative du Kampuchea démocratique. Dès lors, important that the chamber will determine la chambre that détermine during the second phase of the trial, we dans will la deuxième phase du look procès into first, nous examinerons d'abord administrative structures of Democratic Kampuchea starting from paragraph 33 to 71 in the indictment. And number two, the roles and responsibility of the accused will begin from qui starting from paragraphs à partir du paragraphe 8
With regard to the roles of the accused person to an early stage, and I think the rest of the proceedings will remain the same, and we hope that the parties will be fine with this reshuffle of some certain paragraphs for the debate. La manière dont nous allons procéder. I would like now to hand over to Judge Silver Cartwright concerning this change and to ensure that the message is well conveyed into the ears of those who speak English. Yes, thank you, President. The President has announced that there will be a small change in the order of examination. The first part, administrative structures, center, and national, we will begin with that. That is paragraphs 33 to 71 of the indictment. The next stage will be the roles and functions of all three accused. I don't have all the paragraphs specifically in front of me, but so far as the accused Nguyen Chia is concerned, those paragraphs are 869 to 892, and the other two accused paragraphs relevant to them will also be examined before we return to paragraphs 72 to 112, which is the communications section of the indictment. So I hope that between us, the President and I have made this clear to all the parties. Is it clear enough? Clairement indiqué ceci aux parties concernées. Je vous remercie si c'est suffisamment clair pour tout le monde. The President. Security personnel are now instructed to bring the accused Nguyen Chia to the dock. D'escorter l'accusé Nguyen Chia jusqu'à la barre. The President, counsel for Nguyen Chia, you may now proceed. Well, my client is being taken to the stand. Maybe I can just make a small request. Pendant le transfert de l'accusé, peut-être est-ce que je peux introduire une brève requête avant. Your first relevant questions as to the identity of the client. Or, I don't know whether you're going to do that again. My client would like to poser des questions concernant l'identité pour établir l'identité de mon client. Mon client aimerait avant cela pouvoir faire une brève déclaration avant de répondre aux questions du procureur. Ça devrait prendre à peu près 10 à 15 minutes, pas plus. Donc la demande que je vous soumets, c'est de permettre à mon client de lire une brève déclaration en guise de plaidoyer avant de répondre aux questions du procureur.
The President, before we Avant rule on this request, we would like to ask sur Mr. Nguyen cette Chia requête. Nous aimerions demander à Monsieur Nguyen s'il désire faire une déclaration portant sur les faits en question. Indeed, the facts, ou non. Determined for the purpose of this portion of the si trial, sa déclaration porte sur les faits qui ont été identifiés comme constituant la partie pertinente de cette partie du procès, ou si sa déclaration en fait ne porte pas sur ce qui est examiné aujourd'hui, mais en général. Monsieur Nunchea, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, en fait, ma déclaration porte sur les faits en question. The President. Le Président. Thank you. Je vous remercie. The chamber grants la chambre your request, and that counsels for vous accorde un temps de parole, conseil gouvernementaire, parties be advised, soyez informés des autres parties, soyez également avertis que with regard to the accused person, Nguyen Chia will begin sur l'accusé from Nguyen Chia, the bench. Commencera this à partir setting will not be the same as du siège. Donc le cadre est différent suggested by other de parties. Ce qui avait été suggéré in other words, parties are not supposed to question the accused before the bench has finished the questioning. Pas Mr. Nguyen l'accusé avant que les magistrats l'aient fait eux-mêmes. Monsieur Nguyen Chia, pouvez-vous vous exprimer? Good morning, brothers, sisters. Bonjour. Everyone here and outside of this courtroom, je vous salue in Cambodia and abroad. Dans cette salle d'audience et hors de la salle d'audience, autant au Cambodge qu'à l'étranger. We are here today, Madame et Messieurs les juges, nous claiming sommes that we are ici looking for aujourd'hui, justice and prétendant truth for rechercher la justice et la vérité pour le peuple cambodgien. However, cependant, the fact before us today is that le fait qui se présente à nous aujourd'hui, the truth that we have been looking for does not serve the complete et que picture la vérité of que nous the recherchons history of ne Cambodia permet pas to de recouvrir l'ensemble Cambodian de l'histoire du Cambodge pour faire en sorte que le peuple cambodgien soit en mesure de comprendre ce qui s'est effectivement times. Produit au cours de cette période. I still maintain my je choice of words concerning the analogy that I use that persiste this dans chamber le choix des mots que j'ai fait concernant l'analogie que j'ai déjà utilisée, c'est-à-dire que cette cour n'examine que la tête du crocodile sans s'assurer que l'ensemble de ce crocodile puisse être examiné de la queue jusqu'à la tête. Et donc, en d'autres termes, les causes fondamentales which et les conséquences part and parcel of the events qui sont that une partie intégrante des événements qui se sont produits avant 1975 et après 1979, the chambers have not contemplated n'ont pas those été examinés, n'ont pas été intégrés dans le champ de vision de la Chambre. How could this court comment contemplate cette cour my activities peut-elle examiner mes activités first, sans having to look en into premier lieu the broader political, social and observer le cadre
générale, sociale et politique et les circonstances qui prévalaient pendant la période du Kampuchea démocratique. We shall examine and nous allons have the appreciation of the most corrupt et régime. Évaluer, we nous have devrions to appreciate examiner the évaluer hunger, un des régimes les plus corrompus, poverty, la famine, la destruction, death, la pauvreté, la mort, corruption, epidemic, la corruption, la maladie, chaos, le chaos and violence et la violence that had happened in Cambodia before the democratic Kampuchea regime, qui existait au Cambodge avant la période du Kampuchea démocratique, the aftermath. We also et après, need to look nous into devons donc également the American aerial bombardments, sur les bombardements aériens américains. Bombardements had not caused only the death of qui n'ont pas seulement people, causé la mort de centaines de milliers de Cambodgiens, mais également détruit the infrastructures les structures of the whole et l'infrastructure and the food de it's tout supplied le to its pays, people. Notamment l'approvisionnement we also need to look into en this very alimentation bad de la population. Nous devons in the whole country donc before the, comprendre before la gravité de la situation dans l'ensemble du pays avant avril 1975, une situation was annihilated by the civil wars qui prévalait dans un pays qui était anéanti par la guerre civile, et ce depuis there de was nombreuses no années. Le fait qu'il n'y avait pas d'appareil médical fonctionnel these en place et tout ceci fait partie des faits et de la vérité qui sont tout à fait pertinents pour cette Cour et qu'elle devrait prendre en compte attentivement et méticuleusement. On top of that, outre cela, when evaluating my activities, one dans needs l'examen to de mes propres activités, il est nécessaire d'envisager les autres questions qui se sont posées pour déterminer si mon pays avait déjà été détruit par les bombardements aériens effectués par les B-52. When assessing an activity of an individual person de l'activité d'un individu pendant la période du Kampuchea démocratique requiert que l'on se penche également sur le fait de savoir si cette personne contrôlait l'ensemble or the city de, or cities, had already des villes ou si ces villes avaient déjà été plongées dans une situation de famine et de destruction les activités d'un dirigeant individuel du Kampuchea démocratique sont analysées, il est nécessaire de considérer the activities of neighboring countries. Quelles étaient, in this situation, prendre en compte les activités Vietnam, des pays voisins, et notamment le Vietnam, qui essayait policy to get rid of Cambodia, sa politique visant à se débarrasser du Cambodge, de conquérir le Cambodge, and to wipe out Cambodian race from the world, de liquider la race Khmer de la face de l'humanité. En bref, nous ne pouvons pas prendre pour argent comptant le rôle joué par les Khmer Rouges ou les dirigeants du Kampuchea démocratique tel quel si nous ne prenons pas le temps d'étudier le contexte général dans lequel ceci se déroulait avant de pouvoir trancher sur leurs activités. You can correct mesdames et messieurs les juges, vous pouvez surmonter cette lacune some witnesses
en entendant certains témoins qui ont été suggérés par la défense. Nous aimerions que des témoins puissent s'exprimer, témoins qui vivaient à Phnom Penh et qui ont compris ce qui s'était produit avant la chute de Phnom Penh. Car seuls ces témoins-là peuvent dire au public de manière claire ce qu'était la situation effective et combien elle était grave en outre. J'aimerais que ces témoignages puissent être entendus, témoignages émanant de certains officiers des forces armées américaines qui pourraient éclairer le niveau de destruction provoquée par les Américains au cours de ces bombardements aériens qui ont touché le sol du Cambodge. Furthermore, Entendre le témoignage d'autres témoins qui seront peut-être en mesure d'éclairer les autres aspects du contexte précédent ce qui s'est produit dans le cadre du Kampuchea démocratique. Il est très important pour le peuple cambodgien et pour les jeunes générations qu'ils acquièrent une compréhension approfondie de ce qu'ont été les actions commises par le Kampuchea démocratique. En rapport avec cela, j'aimerais inviter la Chambre à ne pas oublier de débattre de ce très important contexte historique qui doit se dérouler en public. Et following things, I would like the chamber j'aimerais to take into account first the aerial bombardments by the Americans on lieu, the Cambodian soil from 1965 through 1973. And also, également, the chamber need to take into account how many people died. Le nombre de personnes from these bombardments. Qui sont proper assessment du fait has de ces to be made with regard to une évaluation précise doit être faite du niveau de destruction qu'a subi l'infrastructure, routes, ponts et communications, and also the et également the agricultural productivity la to see whether production such agricole have already afin been de déterminer si tout cela n'avait pas déjà disparu au cours de cette période. Deuxièmement, la pauvreté, la famine, la faim qui était généralisée tant in Phnom Penh before April 1975. Les villes, y compris Phnom Penh, the avant avril 1975, la Chambre doit également étudier le nombre de réfugiés qui vivaient, leurs conditions d'existence et les raisons qui ont fait qu'il a fallu les déplacer. Number three. Troisièmement, the quantity of food, la in quantité de nourriture et en particulier l'approvisionnement en nourriture de Phnom Penh immédiatement après avril 1975 et la production agricole au cours d'une période courte et ses prévisions à long terme. Tout ceci doit pouvoir être évalué et pris en compte. Quatrièmement, services before 1975 avant, and humanitarian aid during the time starting from 1970 to 1975, including the aids provided by the American government. Par le gouvernement américain. Number five. Cinquièmement, the roles of Vietnam and joué par with regard to Cambodia, Vietnam, par rapport the Democratic Cambodia, le Kampuchea démocratique. Your Honors, mesdames et messieurs les juges.
these issues have not just been raised today. N'ont pas My été soulevées aujourd'hui have seulement. Made requests to the Office of Co-Investigating Judges to conduct investigation into these very important topics to ascertain ces questions the truth, which pour, is very beneficial. Vérifier, however, la vérité de la situation, the ignorance car c'est très important. And the cependant, l'ignorance bias et on the part of the co-investigating les judges préjugés make it impossible for the request to be entertained. On fait que ces requêtes really n'ont pas été acceptées et dès lors it is therefore prejudicial to the whole court of proceedings. Cause un dommage et met en danger l'ensemble de la procédure. The Office of Co-Investigating Judges le bureau des éco-juges have d'instruction been working to only find inculpatory evidence to please the Office of Co-Investigating rather the Office of Co-Prosecutors. It is a shame, le bureau des co-procureurs. C'est une honte. It is really obvious and il est unacceptable. Manifeste et inacceptable que ceci and vividly et plus in its indictment, rather in its closing order, the co-investigating judges had not mentioned a word with regard to this particular topic. Un seul mot concernant ce thème and particulier. In the introductory submission by dans the co-prosecutors, the same les, thing echoed, and there is no par nothing mentioned il en va with de regard même. To rien this n'est topic, indiqué, concernant, as I indicated. Ce thème, comme we je l'ai déjà signalé, note that nous there has been order by the co-investigating judges. Les co-juges d'instruction, counsel for the accused person. On are not allowed to conduct private or investigation on their own. We heavily rely on the investigative actions by the co-investigating judges. And because we were not allowed to do such investigations by ourselves. For that, la permission de procéder à des enquêtes dans ce domaine par nous-mêmes. The whole context et donc, il ne sera of pas possible the investigation. De saisir le contexte profond de cette Mr. enquête. Nunchia, le président, Monsieur Nunchia, pouvez-vous vous interrompre we un note instant? That the co-prosecutor is on his feet and he may proceed. Nous constatons que le coprocureur s'est levé. Je vous en prie, monsieur. Thank you, Mr. President. Merci, monsieur le président. I'm sorry to interrupt the je suis désolé d'interrompre statement. La déclaration de l'accusé. I've been patiently waiting j'ai attendu to patiemment see if there was anything in the statement that related si to the upcoming administrative structure segment. Le segment the accused was specifically asked in advance whether his statement on a posé la question would relate à to that. On lui a demandé he indicated si that it would. That turns out to be an untruthful oui. statement as he Or, has used this time to make cas, an argument that his counsel had previously made, déjà avancé an argument sa défense. That we take particular à issue savoir, with, given that this court has spent almost 2 months on the historical background of this case, près de deux mois sur la question the accused and his counsel historique. Had a chance to question him, l'accusé et sa défense asked ont for a very limited time, and spent their time temps de parole asking demandé, questions about his childhood et questions and about trips to the border with Heng Samrin instead of these issues, plutôt que de poser and when des having the opportunity to present documents on lorsque these historical issues, listed six documents, des documents, and when having the opportunity to present some of them, chose not to. I say that because these assertions si ceci, that are part of the objection made by counsel parce que are simply absurd, and also we object to the accused absurdes. Using nous nous this statement à ce que l'accusé to make legal arguments utilise cette occasion pour avancer des arguments juridiques the plutôt que trial de parler du segment du procès à venir. Le president counsel for la parole est à la défense.
Mr. President, I don't want to go into another argument. My client has almost finished. So I would like you to request my client to finish this statement. And we do maintain, of course, that it is relevant for the facts contained in the closing order. Comme quoi ceci est pertinent eu égard aux faits mentionnés dans l'ordonnance de clôture. The President, the objection by the prosecution is sustained. L'objection de l'accusation so Nguyen Chia is instructed to pause on his statement. À s'interrompre. And the chamber wishes to remind la chambre the accused, rappelle à l'accusé, in this case Mr. Nguyen Chia, that any statement should be made relevant que les déclarations to the portion doivent être en rapport avec la partie pertinente du procès. Before we started the session, the chamber did remind en début d'audience, the accused and la chambre a rappelé à l'accusé et aux parties qu'il convenait their efforts on de traiter discussing the matters relevant to the three main facts at issue. First, concernant structure, premièrement, administrative les structures of the Democratic Cambodia, du Cambodge démocratique. Second, the role and responsibility les of the accused relevant accusés, to certain paragraphs of the closing order. And third, on the communication of this regime. De and just now we listened to the statement of the accused, l'accusé but that statement was not relevant to the facts determined by the chamber as the subject for the discussion of today's session. We have repeatedly reminded parties that they are facts relevant to the portion known as case 002/01. Les faits pertinents dans le cadre du procès 002/1. And I now hand over to présent, Judge Sylvia la parole Cartwright est à la juge to put Sylvia question Cartwright, to the accused. Qui peut poser des questions and à l'accusé. Counsel, you are not allowed Maître, to make any further observation or la parole. Vous n'êtes pas autorisé à avancer d'autres observations so like ou arguments. To, nous allons passer à l'interrogatoire de l'accusé au sujet des faits today. Visés I par la présente audience. La parole est à la juge Cartwright. Your Honor, can I don't want to make any arguments or observations. Je ne veux pas so faire d'observation des arguments. Je demande simplement une pause de 5 minutes pour discuter avec mon client des conséquences de votre décision. I can do that in court. I don't have to go. Je peux le faire dans le prétoire, je n'ai pas besoin d'aller au sous-sol, je peux en parler ici même avec mon client. The President, your request le président, is not granted. La Chambre counsel ne fait pas droit and à votre demande. Will have a sufficient time and l'accusé et ses avocats auront suffisamment de temps ultérieurement. So far la Chambre a déjà publié différents mémorandums concernant and le programme addition, des audiences. Before, concluding, de the, surcroît, session, last week, the chamber la semaine also, dernière, à la fin des audiences, advised parties of the la Chambre avait donné aux parties certaines informations concernant l'objet hearing, des audiences de la présente semaine. Particularly we indicated, the time nous avions dit needed en to, particulier the accused, de combien and de times, temps il serait fait usage pour interroger to, l'accusé. L'on a également this of the hearing. Parlé du so temps de like parole des uns et Judge des autres. La parole est donc à présent à la juge Sylvia Cartwright.
Yes, good morning, Nguyen Chia. Bonjour, Nguyen Chia. Bonjour, Nguyen Chia. That the chamber fully understands la your comprend reasoning pleinement concerning votre raisonnement. The events that happened prior to les événements qui se sont produits 1975. However, today mais we are focusing for the first time pour la première directly fois, on the les audiences porteront directement sur les structures administratives and for the national parts of Cambodia et des différentes from parties 1975 et ce, de 1900, à partir de 1975. Some weeks ago, we discussed il y a quelques in semaines, some detail nous avions examiné avec un certain the degré work de that détail you and Toussamout in particular le travail que vous-même et Toussamout en particulier avait accompli developing the tactical lines pour l'élaboration des lignes for stratégiques et tactiques and I fully understand du parti. That, this was very important je comprends tout à fait qu'il s'agissait là d'un travail très important Communist Party of pour le Parti communiste du Cambodge. And that you are very knowledgeable et je comprends également about que vous avez beaucoup de connaissances au sujet de l'histoire des lignes tactiques et de la stratégie du parti. You also told us that in 1960, vous nous avez dit également qu'en 1960, the party adopted le parti a statute. Avait adopté un statut. And now I want to focus maintenant, on the statute je voudrais parler de ce statut. That was used by the Communist Party celui-ci of a été utilisé par le Parti communiste du Kampuchea onwards. À partir de 1975. In the closing order, dans l'ordonnance de clôture, at paragraph 33, it says that a new statute il est indiqué was adopted que de nouveaux statuts ont été adoptés en 1976. You thought when we discussed this lorsque some weeks ago, nous en avons parlé il y a quelques semaines, that it might have been vous a month avez or dit two after that. Que cela s'est peut-être produit but un you agreed ou deux mois that après. The, mais document vous that avez you were convenu shown on that occasion que le document qui vous a été présenté à cette occasion était bien that le statut was in force, tel that was qu'il used était en vigueur, tel qu'il était utilisé from par 1975 le parti on. À partir de 1975. I now want you to be given a copy à présent, of that je voudrais same que l'on vous remette un exemplaire de ce statut en Khmer. En effet, to je voudrais que vous m'aidiez à comprendre the various parts of les the statute différentes parties de ce statut as it is set out. Because I believe you are in a unique position car to assist il me semble the court que vous êtes in understanding dans une position the unique statute. Qui vous permet à la Chambre de comprendre ce statut. The document that has just been placed before Nguyen Chia le is document qui the vient Communist d'être présenté à Nguyen Chia et celui des statuts du PCK, document E3-130. I'd like to start by asking you some tout questions d'abord, j'ai des questions à vous poser about the fundamental principles concernant les principes fondamentaux and political stances of the party les positions politiques du parti that are set out in the first part of that statute. Dans la première partie de ce statut. First of all, it's correct, isn't tout it, that the very first paragraph in the statute names the Revolutionary Party as the Communist Party of Kampuchea. Cite le Parti révolutionnaire comme étant le Parti révolutionnaire du Kampuchea. N'est-ce pas? Nguyen Chia. Nguyen Chia. May it please the court. I would like to exercise my right je to remain silent ici exercer mon droit de garder le silence temporarily until I am allowed
to discuss et with ce, my counsel. Tant que je n'aurai pas été autorisé à m'entretenir avec mon avocat. Can you help me? Do you wish to discuss this question with your lawyer, avec or votre do avocat, you wish to discuss est-ce que vous voulez parler matters? De cette question-ci ou bien d'autres questions? Not la allowed. Défense. I don't think the court cette question n'est pas la défense. Cette question n'est pas autorisée. Je ne pense pas que Pestman, la Chambre doive interruption de la juge Cartwright. Excusez-moi, Monsieur Pestman, le Président a déjà rendu la décision. Je voudrais apporter une précision avant que l'on discute de la réaction de Monsieur la défense. Je recommande à mon client de ne pas répondre à la question. Ce n'est pas à la Chambre de poser des questions sur ce dont je vais moi parler avec mon client. He should have been allowed to talk to his lawyer before. The President. Le Président. Mr. Pestman, how much time do you envisage you need to discuss with your client? Pensez-vous avoir besoin pour vous entretenir avec votre client? Maître Pestman, comme je l'ai dit, 5 minutes devraient suffire. Le Président. The President, you may proceed. Je vous en prie. The President, security guard le may retire a bit so that agent de sécurité, the council may exercise the right to discuss matters directly with the, his client. L'avocat ait l'occasion de parler directement avec son client.
Thank you. Maître Pestman, merci beaucoup de m'avoir laissé brièvement m'entretenir avec mon client. The request is to allow my client to finish reading his submissions. Soit autorisé he had almost finished. There was one more page. Il avait presque fini. Il ne reste qu'une page. Ça devrait prendre maximum 2-3 minutes. Il est important de le laisser finir. Part of his submission actually contained a request for this trial chamber. La dernière partie comporte une demande adressée à la chambre. He's doing is making an oral submission. Il fait des observations orales. Je pense qu'il doit être autorisé à le faire. Je pense que la chambre ensuite devra se prononcer. I just discussed this with my client. If je viens d'en parler avec mon client, si on ne laisse pas achever sa déclaration, not answer any il other ne répondra à aucune autre question concernant or its role les structures administratives. In the 1975-1979 period.
Le président. The president. To address the matter at hand. S'agissant de la question. The chamber qui est à l'examen. Leave for Nguyen Chia to finish the statement that once again the statement shall be relevant à nouveau, to la chambre répète que cette déclaration doit être en rapport avec les faits de l'espèce dans le cadre du dossier 002/1. At the same time, the chamber en même temps, wishes to observe the attitude of la the chambre accused counsel in this hearing. So now, Mr. Nguyen Chia may proceed. Tiens à rappeler à l'ordre l'avocat de Nguyen Chia. Thank you, Mr. President. I would like to continue my statement. Nguyen Chia. Merci, Monsieur le Président. As I have repeatedly said, comme je l'ai dit à maintes reprises, there was an order from the Office of Co-Investigating Le bureau Judges. Des co-juges d'instruction and my a rendu une ordonnance were not allowed to conduct independent investigation selon laquelle on his mon avocat n'a pas été autorisé à procéder indépendamment à des actes d'enquête. For this reason, I have no choice pour cette raison, but to rely on je n'ai d'autre the result choix que de m'appuyer of the sur investigation le conducted by the Office of Co-Investigating Judges. Par le bureau des co-juges d'instruction. We have requested to the Office of Co-Investigating Judges to thoroughly discuss or investigate rather the de procéder facts à des actes at d'instruction issue. Portant However, exclusivement sur les faits en question. Our Or, request has never malheureusement, been notre demande n'a jamais été dûment considérée. The treatment of the Office of Co-Investigating Judges le bureau des co-juges d'instruction n'a jamais tenu compte de notre demande, ce qui montre clairement que les actes d'instruction qui ont été consequently, conduits when I am coming to the court, I have nothing but bare hand to this courtroom. Ne l'ont pas été d'une façon appropriée. C'est pourquoi je me suis retrouvé les mains vides au moment de venir comparaître devant I la chambre de première instance. I hope that this trial chamber will not follow J'espère what the Office of Co-Investigating Judges has done. Ne fera pas comme le bureau des co-juges d'instruction. And I again hope that your honors, members of the bench, que les will juges exercise your full discretion feront usage de leur pouvoir d'appréciation dans le cadre de la recherche de la vérité. And in the interest J'espère of justice. Qu'ils agiront dans l'intérêt de la justice. For the above mentioned reasons, pour I would like to les raisons earnestly request qui the précèdent, chamber j'ai one. Une requête à présenter à la Chambre. Il s'agirait, premièrement, to continue the discussion of the de poursuivre historical context les discussions before concernant 1975, le contexte historique as I concernant la période earlier, and broadly, so that the Cambodian people, as well as ainsi, our foreign friends, understand the historical context of Cambodia at that time. Et la and if qui the chamber will not deal with that, si I am going to non exercise my right pas, to remain silent je ferai usage de mon droit throughout de the proceeding. Le silence Two, durant l'ensemble I would like de la procédure. To earnestly request the chamber deuxièmement, je demande to listen to the testimony of the witnesses and experts requested by my counsel so that mon avocat a we can ascertain the truth de cette manière, and justice acceptable by pour all la parties. Manifestation de la vérité et pour la justice Three, de façon qui soit acceptable pour toutes les parties. Troisièmement, in accordance with the Cambodian law, I would like to request du droit the chamber that I be allowed à la to put additional documents until the conclusion de of the proceedings. De nouveaux documents jusqu'à la so fin these are de la my procédure. Requests, which I would like the chamber voilà donc to earnestly les requêtes consider. Que je soumets en toute déférence à la Chambre.
In addition, I would also like to ask the chamber to respond to the request I made orally on the 16th of February 2012. I would like to know whether or not my request has been dealt with by the chamber. Because it has been almost a month now since this request was made. Unfortunately, however, or, to date, I have not received jour, any response from the chamber. De la part de la May it please the court provide the je response to prie my request la chambre with respect de rendre sa réponse à ma demande, et ce en toute déférence. Merci. The President, lead co-lawyer for the civil party, you may now proceed. Le avocat des parties civiles, vous pouvez intervenir. Oui, Monsieur le Président, j'entends la fin de la déclaration Mr. President, de Monsieur Nunchia et je voudrais exprimer de la part de la partie civile une certaine inquiétude parties, à ce stade et peut-être aussi une certaine exaspération. A level of exasperation. Nous comprenons parfaitement que la défense we a des droits. Nous pensons que ces droits sont à mettre en balance avec les droits des autres parties et que surtout ces droits s'exercent dans un certain cadre addition, et que c'est la Chambre qui définit ce cadre et non pas M. Nunchia et sa défense. J'entends M. Nunchia qui parle à nouveau du contexte historique. Mr. Nunchia is Nous avons once again passé talking plusieurs about the historical semaines background. Sur ce contexte historique. Weeks discussing the historical background of this trial, and I do not believe that Mr. Nunchia nor his counsel were prevented from raising these issues previously. I'm rather astonished that today they are asking to address this subject once again. I wish to also point out that while the defense does title to rights, chantage, there are certain limits, and in fact what they Monsieur are Nunchia vous indique, si undertaking vous is a type of bribery. Se déroule, eh bien, as je ne Mr. Nunchia is effectively saying, Alors, if you do not proceed as I suggest, I Mais will refuse to speak. Pas que nous devions être prêts I do not believe that we should agree to such conditions in order to hear him speak or to have Ce him speak. Doit avancer. This Il trial pas fait must que pour advance. Monsieur Nunchia. Il est fait pour toutes les it is not for Mr. Nunchia. This trial has been set up for all parties, including the civil parties who we defend. We would hope that, that your honors will impress upon Mr. Nunchia that he shall not impose or dictate the circumstances in which this trial shall unfold. Thank you. The President, does any other party wish to make any observation? Est-ce qu'une autre partie désire prendre la parole? L'accusation. Thank you, Mr. President. Je vous remercie, I obviously share those Monsieur concerns. Le Président. Je partage bien évidemment les préoccupations qui viennent d'être formulées. La seule chose que j'aimerais ajouter, The way this trial will proceed is that there are many, many witnesses la manière yet to be heard. Dont ce procès va se dérouler, c'est qu'un grand nombre de témoins doivent être entendus. À la différence de l'accusé, nous avons décidé de structurer la séquence des témoignages et chacun des témoins, lorsqu'il s'exprimera, pourra effectivement aborder la question du contexte historique. Et donc, la déclaration de l'accusé, comme quoi les témoins n'auront pas le droit de s'exprimer sur la période antérieure à 1975, est inexacte. Et je voulais préciser cela, et c'est effectivement à la Chambre de déterminer la procédure de cette Chambre et non pas à M. Nunchia.
The President, President. The chamber may take early adjournment. We now adjourn la chambre, until 10 to 11. Suspend ses travaux jusqu'à 11h moins 10. Council for Yingsari, you may now Le proceed. Conseil de Yingsari, vous pouvez vous exprimer. Council Anadam. Thank you, Mr. President. Conseil Anadam, merci, Monsieur le Président. Due to health reason, pour Mr. des raisons de santé, Monsieur Yingsari demande à être excusé du prétoire pour le restant de la journée et qu'on lui laisse la possibilité d'observer la procédure à partir the de la cellule temporaire. The chamber notes the le Président, la Chambre note la demande introduite par Yingsari par le biais de son conseil. Il demande à être excusé de participation à la procédure dans le prétoire et à suivre la procédure à partir de la cellule temporaire, et ce pour des raisons de santé. The chamber, therefore, grants such a request. Fait droit à cette demande. A request that has already been made through his council. Demande qui a déjà été introduite. The chamber would like to advise the council that such a request is produced with his signature and cette demande doit être produite par écrit et signée. Security personnel are now instructed to take the accused person to the holding cell, and the AV officers are instructed to ensure that the AV equipment is linked to his holding cell. Que l'équipement audiovisuel est en état de marche afin qu'il puisse suivre les débats. Security personnel at the same time are asked to take Nun Chia back to his seat behind his counsel. The court is adjourned. Nun Chia jusqu'à sa place. L'audience est suspendue.